Salut à tous, c'est Boule, bienvenue pour l'épisode numéro 2 de l'alpha tuto de la lettre A. Donc, nous avons besoin d'une gomme, un critérium, c'est assez basique. On va prendre un bleu azuré, du fucking bleu royal et du fucking turquoise. Pourquoi il y a Blender là? Casse les couilles, Blender, de mes couilles. Donc on va partir en fait sur une base de B, et comme tous les alpha tuto, on va partir en fait sur une base de lettres. Donc c'est un lettrage comme si vous écrivez normalement quoi, comme à l'école dans vos évaluations, comme ça. Donc c'est un truc assez basique. Et puis en fait vous avez dessiné le contour mais de votre façon. Donc moi on va rester sur quelque chose d'arrondi mais avec des flèches. En fait c'est les flèches, c'est un peu basique. Donc ce que j'appelle des lettres avec des flèches, tout simplement, à un endroit, donc précisément un angle de la lettre, nous allons mettre une flèche. Je trouve que ça fait beaucoup plus stylé. Après votre B vous pouvez personnaliser, mais on reste en fait pas forcément dans le bubble, mais puis des styles un peu trop simples. Après on pourra faire des trucs de ouf et tout avec Snake, puis des lettrages de malade, tu vois. Bon, quand c'est fini, on va par contre il est où le noir? C'est bon, on l'a. En fait ça manquait un peu de... J'ai manqué d'un stylo, mais c'est un stylo noir. En fait avec on va dessiner direct cache le contour de la lettre. Et puis le crayonné qu'on a fait de la lettre de vos évaluations à la con, c'est... on va le gommer. Mais bien évidemment faut attendre que monsieur le noir sèche là, parce que putain sérieux, c'est... Pourquoi ça sèche pas comme ça? Dans ses cheveux quoi. Voilà. Et donc en fait vous pouvez aussi donner un style, dessiner des traits opposés à opposés comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Pour le coloriage, là on va gommer la putain. De toute façon faut que j'accélère cette vidéo là. Go pour le coloriage avec nos trois couleurs de bleu super cool en fait. Ma préférée c'est quand même le turquoise. Et puis en fait j'ai une base de ouf. C'est genre déjà on va colorier du turquoise. On va commencer par le bleu azuré, le turquoise et puis le bleu royal que je trouve vraiment magnifique. Voilà. Mais turquoise ça reste quand même ma fucking couleur préférée. C'est vraiment cool. Donc couleur, c'est parti en fait. Du coup on fait en fait un dégradé, donc il faut être rapide, pour ça que je prends ce gros truc. Avec les crayons de couleur, j'ai appris un truc avec les feutres alcool, c'est que ça fonctionne, mais super bien. Je suis allé me chercher quelques couleurs dans la trousse et donc j'ai pas vraiment... En fait du coup j'ai pas de bleu clair, mais on va quand même essayer de travailler les ombres avec. Et puis le dessin je vous le montrerai quoi. Vous verrez les gens, c'est avec les crayons de couleur et le feutre alcool, j'ai appris un truc, c'est vraiment super beau parce qu'on peut travailler correctement les ombres. Dans une prochaine vidéo ou sûrement un prochain alpha tuto, je vous montrerai un peu comment un dessin que j'ai fait justement avec un lettrage. Et puis en fait tu vois que j'ai travaillé les ombres, tu le vois, ça se voit et tout, c'est magnifique. Et il y a aussi le lien en description des couleurs et puis des trucs qu'il faut et tout, c'est cool. Donc là en fait le truc c'est que le turquoise on voit pas vraiment que c'est travaillé, parce que turquoise sur turquoise ça passe pas bien. Sinon on estompe tout ça avec notre doigt et puis on le voit pas vraiment, c'est puis donc on voit pas vraiment que c'est estompé. Oh ça va, mais j'aurais dû faire un peu plus grand en fait pour que vous puissiez bien voir, parce que là c'est pas ça. Sinon en fait on peut aussi passer plusieurs couches de feutre alcool dessus. Comme ça vous allez bien voir que ça... Enfin, vous allez voir que ça se voit. Vu que ça sèche, vous pouvez rajouter des couches d'ombre. C'est ce que je vais faire avec mon bleu azuré. Et dites-nous aussi en commentaire un peu de ce qu'on devrait améliorer
dans nos dessins de ce qu'on voudrait faire ou des nouvelles séries si vous voulez. Et puis n'oubliez pas de liker cette série et de me dire si ça vous plaît. Et la prochaine vidéo c'est avec Snake. Puis ça, la dernière vidéo en fait c'est une vidéo d'unboxing en fait de 48 Pro Marker qu'il a eu à Christmas. Tac. Nous repassons encore une fois une couche de noir mais à l'intérieur cette fois-ci pour mieux faire ressortir pas les ombres mais je veux dire le noir. C'est un peu de préférence. Après, je veux dire, la deuxième couche extérieure, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez donner plus de volume et de choses comme ça, c'est pas obligé, mais vous pouvez quand même le faire si vous voulez plus de volume. Donc, merci à nos pro marqueurs, à mon Critérium qui a servi qu'une fois à ma gomme, qui a presque à rien servi. Et puis, ces crayons complètement défoncés, d'avoir participé pour ce lettrage. Donc j'espère que cet alpha tuto vous aura plu. Likez la vidéo et abonnez-vous et partagez. Ça ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était Boule. Allez, ciao.